Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais me faire un blowout avec chaleur. Donc ici j'ai déjà, je me suis fait mon shampoing, donc j'ai pas fait de masque et tout ça, donc j'ai juste fait un shampoing. J'ai hydraté mes cheveux avec mon leave-in et mon huile de coco et j'ai fait des gros sonnies. Pouvoir me faciliter la tâche. Et ici ce que je vais faire, je vais tenir mes cheveux avec un élastique. J'étais super motivée pour bien les étirer parce que pour la coiffure protectrice que j'ai envie de faire après, j'ai vraiment besoin qu'ils soient étirés. Enfin, j'aurais pu le faire sans que ce soit étiré, mais vous allez comprendre dans la prochaine vidéo. Mais là, ça prend énormément de temps. Il reste deux portions et ça m'a pris une heure pour faire ça alors que j'ai séché. Genre à 50%, quoi. Ils sont même pas bien secs. Donc du coup ici ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, à part la première portion où j'ai plus ou moins séché à 80%, le reste laissé tomber, quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est impossible, ça prend trop de temps. Et donc voilà, c'est terminé. Là je vais voir ce que ça donne. On va voir. Donc là, je vais vous faire un petit récap en fait ce qui s'est passé depuis que j'ai coupé mes pointes. Donc pour celles qui nous suivent régulièrement, vous savez qu'en juin dernier, nous avons fêté nos 4 ans de naturel. Et le 15 juillet, je me suis coupée les pointes. Et donc ça fait 3 mois et demi que je me suis coupé les pointes. Alors mes cheveux, ils ont bien poussé, je trouve. Ils ont assez bien poussé. Alors ici, bien évidemment, je compare par rapport à quand j'avais les cheveux étirés en juin pour les 4 ans naturels. Et je pense qu'ils ont assez bien poussé et j'ai même l'impression qu'ils sont plus longs que quand j'avais mes cheveux en juin. Donc que mes cheveux envoient. Alors ici une petite rectification en passant. Dans la vidéo où je m'étais coupé les pointes, j'avais dit que j'avais coupé entre 5 et 7 cm. Mais en fait c'était complètement faux. J'ai coupé entre 3 et 4 cm maximum. Donc, et ici j'ai vraiment pu retenir assez bien ma longueur de cheveux. Ici je vais essayer de vous faire un rapide pseudo check. Je vais prendre une mèche ici. Donc ici en fait je suis à armpit length, donc au niveau des aisselles, la longueur, et ça dépasse, je pense que ça dépasse légèrement armpit length. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais aller me coiffer. Je vais faire une autre vidéo pour ça parce que c'est une nouvelle coiffure protectrice que j'ai jamais essayé en fait. Je vais tester et j'aime bien le principe de la coiffure, mais je vous en parle dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo alors. Bye. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche, c'est mes cheveux
en juin, donc quand j'ai fêté mes 4 ans de naturel. Et en juillet, le 15 juillet, j'ai coupé environ 3 à 4 cm. Et là, 3 mois et demi plus tard, donc le 31 octobre, le jour où je tourne cette vidéo, vous pouvez voir que mes cheveux sont à droite, mes cheveux sont beaucoup plus longs que sur la photo à gauche. Et pourtant, mes cheveux ne sont même pas étirés au maximum, contrairement à la photo sur la gauche où mes cheveux sont justement bien étirés. Là, à droite, ils ne sont pas étirés au maximum, mais on peut quand même voir que mes cheveux sont plus longs que sur la photo à gauche. Donc voilà les filles.